Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors aujourd'hui, on ne va pas essayer ce bus, pourtant, franchement, j'aurais bien voulu en prendre le volant. Non, plus sérieusement, on est à côté de Troyes, sur des pistes d'aérodrome, et en fait, on va vous faire découvrir les coulisses de l'émission Top Gear. Allez, suivez-moi, le plateau, c'est à l'intérieur du hangar. Chut, c'est dans ce grand hangar qui habituellement abrite des avions que sont tournés les plateaux. En l'espace d'une semaine, les 8 émissions de la saison sont enregistrées à raison de 2 par jour. Nous sommes en novembre, mais c'est dès le mois de janvier que débutent les repérages ainsi que l'écriture. Les sujets sont élaborés conjointement avec la production, les journalistes ainsi que les animateurs. En parallèle de ces sujets, il y a évidemment les road trips. 2 sont prévus pour cette 6e saison, un au Vietnam et un autre en Écosse. Enfin, la saison se termine donc avec les plateaux et les fameux tours de piste des invités en Subaru BRZ. Au total, 70 personnes travaillent pendant cette semaine, dont 40 techniciens. Plusieurs régies sont nécessaires, une dédiée pour le son des micros, une autre pour le son d'ambiance, une dédiée à l'image et enfin la régie principale située dans un camion à l'intérieur du hangar. 4 caméras sont disposées autour du plateau, plus une grue pour les vues aériennes et plan large. Le décor du plateau, vous le connaissez bien, il est composé des modèles qui font les différents sujets de la saison, mais aussi de voitures transformées qui ont marqué certains épisodes. On retrouve la BMW série 7 jaune ou encore le Fiat Multipla Bigfoot. D'ailleurs, ce Multipla a fait l'objet d'un gros travail. Justement, pour ces sujets transfo, la production fait appel à un prestataire spécialisé dans l'automobile. C'est une aide précieuse pour le choix des véhicules, les modifications apportées et éventuellement la préparation des cascades. La plupart de ces autos sont conservées, mais certaines qui ne roulent plus ou qui ont été utilisées lors des road trips ont terminé à la casse. Retour sur notre plateau où le rythme est hyper soutenu pour tourner les séquences dans les temps. Les invités de la matinée, que sont Bernard Dernisch et Luis Fernandez, sont interviewés par Philippe Lelouch. Pendant ce temps, nous décidons d'aller à la rencontre de Bruce et du Tone qui sont en train de réviser leur texte pour les prochains plateaux. Bonjour, enchanté. Oui, très bien. Ouais, pas trop dur d'enchaîner les... Bah regarde, tu vois, ça c'est mes devoirs pour le prochain plateau. Ah, il y a encore un plateau là, je crois que c'était bien. Non, il y en a plein encore, on n'a pas fini. Mais ça va, c'est sur la Mégane Trophy R, qui n'est pas la voiture la plus chiante du moment. Non, ça va, c'est plutôt sympa. On n'est pas tout à fait d'accord avec Bruce sur le contenu, mais bon. Ok. On va un peu se disputer, tu vois. Bah en fait, 36 000 euros, 12 000 euros de malus, ça fait un peu mal. Oui, pour le coup, c'est beaucoup. Ah, mais attends, 36 000 euros, normalement, c'est beaucoup plus cher. Attends, c'est la Trophy R, elle est pas beaucoup plus chère que ça. Si, si, avec non, le en carbone, fait... avec les gens carbone, machin, et compagnie. Ouais, en fait, j'ai pas bien lu encore, tu vois. D'accord. J'ai pas bien bossé. Ok. Ouais, on parle de Hyundai aussi. Oui, je crois qu'il y a eu une i30N. Ouais, c'est bien comme caisse. J'ai pas essayé ça. Ouais. Faut lui faire mal pour que ça commence à devenir marrant, ouais. Mais... Ouais. Ok. 17 phrases à apprendre dans 2 minutes. Courage. Eh ben merci. Retour vers les invités. Juste avant l'interview, ils ont effectué leur tour de piste au volant de la voiture raisonnablement sportive, la fameuse Subaru BRZ. Juste après le tour, les moteurs sont à pied d'œuvre afin de terminer la vidéo. Il est impératif de la passer pendant l'émission. Et comme nous avons beaucoup de chance, la production nous a proposé d'effectuer dans les mêmes conditions un tour chrono. Ça y est, nous y sommes sur le tarmac de la piste Top Gear avec notre voiture raisonnablement rapide. Alors j'enfile mon casque et je vais essayer de battre leur corps. Bon bah ça y est, je suis au volant de la BRZ, enfin en tout cas bien harnaché. Alors je vais essayer de faire un temps, enfin en tout cas de rester sur la piste. Allez, on se cale. À 5000. Sur la piste. En plus, les pneus ont un peu refroidi. Bon, on va tenter quelque chose. Ah.
bah voilà. Alors je vais bien voir combien j'ai fait, on va me donner le temps quand je vais sortir de la piste. Alors Max, mon temps ? Combien ? Dans le top 20. Dans le top 20 ? Combien ? 1:23.83. Ah, c'est pas mal. Yes ! C'est vraiment pas mal. Cool ! Ah, c'est cool. Merci. Bravo. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite guidée dans l'univers du Top Gear. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur l'Argus.fr. Ciao !